Le bal masqué des enfoirés serait le nom du prochain spectacle des enfoirés. Thomas Dutronc nous a dit non, j'y crois pas. Germain. C'est une bonne réponse, bravo, hein, c'est faux effectivement. En fait, ce que l'on sait pour l'instant, c'est que les Enfoirés maintiennent leur spectacle en 2021. Ils viennent d'annoncer en fait le lieu et les dates de leur concert. Pour cette nouvelle édition, la troupe se produira à l'Halle Tony Garnier de Lyon. Ce sera entre le 13 et le 18 janvier prochain. Et en raison de la crise sanitaire actuelle, il n'y aura en fait pas de place autre que assise. La jauge, elle, sera limitée en fait à moins de 5000 personnes. On ne sait pas encore qui sera présent parmi les artistes, parce que forcément les agendas ont été bousculés. Il y a beaucoup de concerts qui ont été reportés à 2021, mais on peut imaginer que des habitués tels que Jennifer, Zazie, Patrick Bruel feront partie du show avec sûrement de nouvelles recrues. Dernière info à vérifier. Bisous interdits en raison de l'épidémie dans L'Amour et dans le Pré qui revient lundi prochain sur M6 pour Thomas Dutronc, Germain, c'est vrai. Eh bien, c'est vrai, à cause de la Covid, en fait, les rencontres ont été étroitement encadrées cette saison. La production a même effectué quelques petits changements. Alors, par exemple, les agriculteurs vont ouvrir leur courrier chacun de leur côté, et non plus ensemble, comme c'était le cas, en fait, dans les précédentes saisons. L'émission va directement débuter avec les speed dating, auquel Karine Le Marchand assiste, mais alors, à distance, ça sera un petit peu comme Christina Cordula, vous savez, dans Les Reines du Shopping. Ah oui, elle commente en fait les scènes. Exactement, elle va commenter ce qu'elle va voir, et ça sera une première pour elle. Autre particularité, eh bien, pour se dire bonjour, plus de bisous. Ouais, c'est dommage. À la place, il faudra en fait se checker les coudes ou alors le pied, vous choisissez. Ah oui, c'est bien, c'est très romantique. Ah, c'est ultra romantique. Et distanciation sociale oblige, les agriculteurs et leurs prétendants ont été installés sur des tables plus larges, dans des salons plus grands. Alors tout le monde, même l'équipe technique, a été testée au début du tournage, c'était en juin dernier. Aucun cas n'a été recensé. Et puis pour découvrir bien sûr cette 15e saison, il faudra attendre lundi 21h05 sur M6.